Yenge Kieno, Kiambote Kieno, bonjour, bonjour, c'est comme ça qu'on dit bonjour en langue Congo, ma langue maternelle que j'affectionne. Parle ta langue, valorise ta langue. Ne vous fatiguez pas parce que c'est ça ma leitmotiv. Sur toutes mes vidéos, sur toutes mes prises de parole, je vais toujours vous le dire. Je vais toujours vous le dire. J'espère que si tu m'écoutes depuis le début, tu as fait un effort de chercher au moins à savoir comment est-ce qu'on dit bonjour dans ta langue. Et si tu as su, est-ce que tu l'as dit à tes enfants? Est-ce que tu as dit à ton voisin, à quelqu'un autour de toi qui ne connaît pas? Partage l'information. Là, je reviens sur cette vidéo pour vous parler de l'aménagement du terrain. Donc, tes ouvriers, tes collaborateurs sont repartis à l'école pour apprendre. Pendant ce temps, ou après, il faut venir aménager, commencer à mettre en valeur le terrain que tu as pris, le bout de terre, le lopin de terre précieux que tu as, il faut commencer par le mettre en valeur. En le mettant en valeur, au début, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, j'avais dit, dans le choix du site, il faut regarder l'accessibilité de la route et la proximité de l'eau. Donc là, tu as déjà choisi un endroit où tu as un cours d'eau. Si tu n'as pas un cours d'eau, ben, tu feras creuser un puits plus tard. Maintenant, je reviens pour vous parler de ce cours d'eau-là. Ce cours d'eau, fais attention. À quel moment tu es allé visiter le terrain? À quel moment vous avez choisi que non, là, nous allons mettre notre exploitation parce qu'il y a un cours d'eau? Est-ce que c'était pendant la saison sèche? Parce que pendant la saison sèche, bien évidemment, il n'y a pas de pluie. Donc, le débit d'eau que tu vas avoir quand tu vas aller découvrir ton terrain la première fois, pendant la saison sèche, c'est pas le même débit que aura ce site pendant la saison de pluie. Donc, s'il y a des aménagements à faire sur ce sol, sur ce cours d'eau-là pour te garantir un bon débit, parce que demain, tu vas mettre des motopompes à l'intérieur, 1, 2, 3, je sais pas jusqu'à combien. Est-ce que la profondeur de ton eau est assez conséquente pour que quand ça va pomper, demain, tu te retrouves pas en train de tirer le sable? Donc, il faut faire venir des personnes qui savent. Ils vont regarder comment est-ce que les autochtones déjà peuvent te dire que non, voilà le cours d'eau là, pendant la saison sèche c'est là, pendant la saison de pluie ça fait ceci, est-ce que ça déborde, est-ce que voilà. Tu vas voir avec le propriétaire terrien, avec les autochtones, te renseigner. Et par rapport aux conseils qu'ils vont te donner, tu vas faire venir des personnes qui vont valoriser ce cours d'eau-là. Est-ce qu'ils vont encore creuser pour agrandir le lit du fleuve? Par exemple, dans mon cas, c'est ce que j'ai eu à faire. Parce que c'était un terrain vierge, je peux dire. Un terrain vierge vraiment jamais exploité. Donc, le cours d'eau était là. Il y a eu beaucoup de feuilles mortes, les racines, les troncs d'arbres qui sont tombés. Donc au début, je vais vous montrer dans la vidéo qui va suivre, on a l'impression juste que c'est une larme qui est en train de couler, juste un petit filet d'eau. Alors que il y avait de l'eau qui coulait en bas. Donc il fallait vraiment, avant de faire quoi que ce soit, l'ingénieur que j'ai pris m'a conseillé de pouvoir creuser ce cours d'eau-là, enlever les feuilles mortes, débroussailler autour, couper les racines, enlever les troncs d'arbres. C'était vraiment un travail de ouf. Mais c'était important parce que après, on a bien dégagé le cours d'eau, l'eau s'est mise à couler avec un débit important. Et c'était en saison sèche déjà, on voyait comment l'eau coulait, ça ne stagnait plus par rapport au début. Et à la fin,
Là, les pluies ont commencé, on a déjà les pluies ont commencé au Congo fin septembre, début octobre, là, avec la pluviométrie actuelle, on a un très bon débit d'eau. Donc, sur cette vidéo, je venais de te dire de faire attention à cela. Si tu n'as pas un cours d'eau que tu devrais faire creuser un puits, rassure-toi aussi que les nappes phréatiques dans l'endroit où tu te trouves vont te donner assez d'eau. Parce que même pour les pluies, le débit d'eau en saison de pluie et le débit d'eau en saison sèche n'est pas pareil. Vraiment, l'eau dans l'agriculture, c'est le nerf de la guerre. Si tu n'as pas pris les précautions au départ pour te garantir vraiment d'avoir une bonne eau, tu as un gros souci. Tu ne pourras pas produire à contre-saison. Tu ne pourras pas entretenir tes plantes comme il faut parce qu'ils auront besoin d'eau. Quand ils auront besoin d'eau, toi, tu n'auras rien à leur donner. Tu vas attendre la pluie et quand la pluie va faire des caprices, tu vas faire comment? Tu ne pourras pas aussi produire en contre-saison et cela ne sera pas avantageux pour ton exploitation, pour la réussite de ton projet. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'à ce moment. Partage, abonne-toi si tu as aimé et je reviens pour la suite de mes actions sur cette entreprise qui consiste à investir au Congo dans le domaine de l'agriculture. Au revoir, ma tante. Tangu ifweni, muzangu la Kongo.